Bonsoir et bienvenue à notre rendez-vous sacré de chaque lundi, mercredi, de vendredi à partir de 16h juste. Mesdames et messieurs, bienvenue à notre magazine Actu 60. Vous le constatez que notre plateau est en plein réaménagement et nous avons voulu faire aujourd'hui ici pour que vous constatiez réellement qu'il y a un travail qui se fait ici chez nous sur Kinactu Télévision. L'insécurité s'empire à l'Est. Quelles recettes que les décideurs doivent appliquer? Mesdames et messieurs, jusqu'à là, nous avons deux invités de l'Union Sacrée sur ce plateau. Les autres ne sont pas encore arrivés. Nous faisons avec ceux qui sont sur ce plateau. Il y a Maître Zorobabel Mouland, président des Yahouistes, à qui j'ai dit bonsoir. Bonsoir madame, je suis président du Mouvement pour la Libération de Conscience. Okay. C'est ce parti politique et le MLCO qui est un parti yahouiste. Okay. Yahouiste veut dire ceux qui croient en Yahweh comme leur père et leur créateur. Et qui porte pour le premier la marque M dans leurs mains, comme vous le voyez avec moi, et les appelés qui aussi s'appuient sur le nom de Yahweh pour leur protection. Voilà. Et voilà, nous avons aussi Teddy Kachama, un habitué de cette mission. Il est cadre de l'UDPS, à qui j'ai dit bonsoir. Bonsoir maman, bonsoir à mon co-débatteur. Je salue aussi les téléspectateurs. Et surtout les réalisateurs les plus jeunes de tous, vraiment. Enokumbala, tout le monde live, vraiment, et tous les téléspectateurs de ce soir. Et voilà, d'entrée de jeu, je commence avec Maître Zorobabel. Maître, le chef de l'État nous avait dit, moindre escarmouche à l'Est, il y aura rencontre, rassemblement du Parlement, on va déclarer la guerre à l'Est. Jusque-là, il y a plusieurs bombes qui sont tombées. D'ailleurs, Goma bientôt sera assiégée si l'on n'y prend pas garde. Où en sommes-nous? Où en sommes-nous? Savez-vous, madame, que la RDC est sous le statut d'une colonie occidentale? Savez-vous que l'Afrique tout entière, non seulement elle est opprimée, mais elle est sous le dictat des impérialistes, sous le dictat de multinationales, sous le dictat de grandes puissances. Est-ce que le mécanisme de gestion de l'État dépend effectivement de nous? Il y a trop d'enjeux qui font que, dernièrement, vous avez vu, trois États ouest-africains ont quitté la CEDEAO et se sont décidés de faire une coalition à trois et aller de l'avant. Ils ont même décidé de quitter la collaboration avec les Occidentaux pour s'appuyer à l'URSS, à la Russie plutôt. Et donc, faire la guerre, vous imposer, c'est loin des paroles que nous avons en bouche. Le Parlement ne s'est pas encore établi et le président ne s'est pas convoqué aujourd'hui le Parlement, puisqu'il doit être installé. Le Parlement suppose les deux chambres. Et le Parlement suppose que vous avez déjà le Sénat, nous sommes dans un système bicaméral, le Sénat et la Chambre basse. Donc, le président de la République est devant cette impossibilité, aujourd'hui, à la date d'aujourd'hui. Toute sa bonne volonté de vouloir faire ce qu'il veut, aujourd'hui, je crois que c'est l'armée, tout simplement, l'armée, qui doit se prendre en charge. Devant les attaques sur terrain, nous avons un chef d'état-major général compétent. Je crois que c'est la situation que nous vivons. Mais le président, en ce moment, moi j'aurais souhaité qu'il puisse constater la situation et nommer un général comme premier ministre et qu'on puisse combattre le Rwanda.
mais s'accrocher sur les paroles du chef de l'État, sur les arcamouches, tout ça, je vais convoquer le Parlement. Mais le Parlement n'est pas encore là, c'est ça la difficulté et les défis que nous avons. Et voilà, je passe la parole à Teddy Kachama. L'insécurité s'empire, malgré victoire du Léopard, mais à l'Est là-bas, ça chauffe. Où en sommes-nous, Teddy Kachama? Oui, je voulais un peu éclaircir un peu notre population et nos téléspectateurs pour dire que pourquoi nous, Congolais, des fois, on est un peu bizarre. On a vu en Israël, quand il y a eu frappe de Hamas, tout le monde s'était rangé derrière les premiers ministres Netanyahu pour attaquer. Le président a bien dit, c'était à une question, il a dit bien, j'ai vu des rigolos, je cite bien, la vidéo est là, j'ai vu des rigolos à Kenya, à Nairobi, au Kenya, à Nairobi, qui ont constitué, les rigolos qu'il disait, c'était là, l'alliance sur le fleuve Congo de Nanga. Il a dit, si ces gens-là osent prendre même un seul centimètre de notre pays, à moindre escarmouche. Mais ce sont toujours les M23 qui attaquent. Non. Faisons la différence des choses. Attends, Teddy Kachama. Ce sont les M23 qui continuent d'attaquer et Nanga est en collaboration. Mais laissez-moi. En connivence avec les M23. Non. Et ils ont bien fait, ils ont créé leur propre rébellion qui s'appelle Alliance Fleuve Congo. Soyons un peu. Quand ils ont créé cette rébellion-là, les M23 occupaient déjà les Routchours et autres. Qu'on ne déforme pas la population, c'est pour cela que je demande d'abord, le ministre de numérique, il fait quoi d'abord? Il fait quoi? C'est un messier, c'est un ministère de rien. On est en train d'intoxiquer les gens, on est en train de prendre des images, des anciennes images, on est en train de... Ça devient comme cette guerre, ça devient comme si c'est un problème personnel de Félix. Il a dit bien que ces rigolos-là, ils sont en train de changer, après M23 va se retirer. La vidéo existe, c'était sur Top Congo. La vidéo existe. Ils vont changer pour amener les autres. Maintenant, c'est Nanga qui vient se mettre. On ne sait même pas le localiser là où il est. Quand on avait vu les safaris, là, c'était en Ouganda. On a dit, moi, j'aimerais voir tous ceux qui sont en train de critiquer. Le président avait dit ceci, avait dit cela. Qu'il nous montre la localité que les AFC de Cornel, les machins de Cornel, les territoires qu'il a déjà pris. Nous sommes bités à une grande difficulté. Vous avez vu les Congolais que je salue, parce que j'étais en retard, je devais arranger quelque chose. Ils étaient partis au niveau de l'ambassade des États-Unis. Hier, vous avez vu un communiqué. Les Américains disent que, malgré ce, je ne suis pas d'accord quand même, il y a des avancées. Ils disent que, nous sommes... Parce qu'il y a la pression totale. Maintenant, que ça ne devienne pas si c'est un problème d'un individu où je vois les gens en train de rire, les escarmouches. Hier, il y a eu conseil de sécurité. Il y aura des retombées. Tout ce qu'ils ont dit là-bas, c'était superflu. Parce que des questions sécuritaires... Il y aura des retombées pendant que les gens meurent, les gens se déplacent en cascade. Non, mais... Pas à quel sens c'est vous? Il y aura des retombées, toujours des promesses. Non. Ces gens-là de l'Est que nous contactons, ils nous disent que ça fait 30 ans, c'est maintenant qu'on voit qu'avec ce régime, il y a quand même une lueur d'espoir. Oui, parce qu'il y a 30 ans, tout ce monde-là qui la guerre, on ne peut pas venir. Oui, il y a la continuité. Goma, là, était toujours prise à deux reprises et ça avait fait Bukavu avec les Boutebousi et les autres. Ou bien, je demanderai à ceux qui critiquent le président Félix. Que Félix accepte tout ce que Kabila avait signé pour que les M23, leurs officiers... Tu vois Willy Ngoma, vous voyez Willy Ngoma, il est major. Aujourd'hui, s'il veut intégrer dans notre armée, il deviendra général.
C'est pourquoi nous avons des Padiri, des Sikatenda, des Roger Lumbala, des Thomas Luaka, des gens qui n'avaient jamais fait l'armée. À cause, il y a un monsieur qui a fait des services d'opération. On les a enlevés. Actuellement, la dernière en date, l'avant-dernière, c'était... Non, là-bas, ils craignent. Général Fall Sikao, on vient de prendre Fall, on l'a mis là-bas. Actuellement, réformer l'armée, il y a... L'armée est en train d'être réformée. On a enlevé d'abord l'embargo. On vient de loin, maman. Actuellement, il y a des gens de SADC qui sont en train de se déployer. Mais regardez là, ils ont dit, il ne faut pas combattre tant que les Ouazalènes seront là. Aimons notre pays. Félix partira. Il partira, mais nous resterons. Est-ce que les gens croient, ils parlent toujours de nos frères de l'Est qui sont morts inutilement, mais nos militaires qui partent là-bas. Vous connaissez combien de militaires qui sont de l'Ouest qui sont tombés là-bas. Les Baouma, maintenant les militaires qu'on trahissait, Tebokendelao. Et pourtant, là-bas, il y avait une trahison où on avait tué les gens. Aimons notre pays, les problèmes qui se passent à l'Est nous consterne au plus haut niveau qu'il faut regarder Félix, l'appuyer de tous. Il appelle les gens. Hier, il a appelé tout le monde. Moi, je peux me demander, quand il me parle que le général Choué, moi, je ne vois pas depuis qu'il a été nommé. Je ne vois pas. En tout cas, ça, c'est mon opinion. Depuis qu'il avait été nommé, Kakakoloba, nous attendons des actes. Ce que j'ai aimé dans le communiqué final d'hier, c'est qu'on rétablisse quand même la peine de mort pour tous ces mondes-là qui sont en train de trahir. C'est ce qui est important. Félix aussi parle trop, non? Le chef de l'État aussi parle. Non, lui, il agit. Il agit comment? Il parle. Il parle trop. Il y a aussi trop de... Et vous savez que... On lui reproche de trop parler, il y a trop de ratés dans sa communication. Et comme quel raté? La ratée doit être selon les camps qu'on a. Parce qu'il y a d'autres personnes, que les camps qu'ils sont là-bas. Parce que quand il parle, il est en train de tutoyer. C'est-à-dire, quand il tutoie Kagame partout, c'est-à-dire là, il parle mal. Merci. Et voilà. Je vais passer la parole à Maître Zorobabel. Comprenez, c'est l'ambiance de l'émission. Avec Teddy, c'est toujours comme ça. Maître Zorobabel, quelle recette pour cette guerre de l'Est? Madame, je crois que il est temps pour le peuple congolais de prendre conscience. On n'est pas souverain. C'est seul le chef de l'État qui est souverain. Le peuple, le pays n'est pas souverain. Et sa souveraineté, ce n'est pas vis-à-vis de l'international. C'est par rapport à nous. Nous vivons comme des esclaves devant un chef. C'est ça la situation qui nous est dessinée. Vous savez, je listerais tout à l'heure le Burkina Faso. Qu'est-ce qui s'est passé exactement au Burkina Faso? Vous avez un chef d'état-major général à qui on ne donne pas l'ordre de combattre les rebelles ou les terroristes. Pendant le même temps, vous avez l'armée qui a des armes mais qu'on ne peut pas utiliser au Burkina Faso. Chose qui a été à la base du coup d'état militaire. Vous avez des militaires qui ne peuvent pas détenir des armes, ils montaient des gardes, la garde avec des bâtons. Burkina Faso. Et qui a créé les terroristes? C'était la France. Autant que la France l'a fait avec Sarkozy pour créer cette histoire de l'Est. L'histoire de l'Est, c'est les grandes puissances, il faut les appeler comme ça. Comment vous pouvez justifier que un pays qui a 500 km², on lui demande, on lui donne la mission de rapatrier tous les réfugiés chez lui, tous les sans-papiers chez lui-là. Et là, quelle terre? Et là, quelle terre? Et lorsque
Vous êtes dans cette situation où c'est la France, la Grande-Bretagne, le grande puissance qui impose une soi-disant rébellion. Madame, le salut ne peut venir que de Yahweh lui-même. Et je crois que je me rappelle quand on est venu pour d'abord nous ensauvager comme des esclaves, c'était sur ordre du Vatican. Le Vatican donnait l'ordre à ses grandes puissances, au royaume de la Prusse à l'époque, de faire tout pour que nous, on s'attroidit de l'homme à une bête. Ça, c'est de un. Quand le travail de l'esclavagisme est terminé, le roi est venu, le roi Léopold II. Quand il a conquis ce pays, il n'a même pas conquis. Vous savez pourquoi on lui a vu donner ce pays? Les gens doivent le savoir. Tout simplement parce que la Bible parle d'Ésaïe 18. Les pays qui est au-delà des fleuves de l'Éthiopie. C'est au cours de la réunion de AIA, Association internationale d'Afrique, qu'il y aura un pari. Si ce que tu dis est vrai, on te donne ces pays-là. C'était avec des grandes puissances. Sauf que l'homme blanc respecte la parole. Et on a envoyé des enquêteurs, s'il faut les appeler comme ça. Ils sont venus, ils ont trouvé qu'effectivement, au-delà du fleuve de l'Éthiopie, plutôt du désert de Sahara, il y a un territoire sillonné d'eau. Donc le territoire dont parle la Bible est vrai. C'est vrai, oui, on en voit encore Livingstone. Il vient confirmer la même thèse. C'est comme ça qu'on avait donné cette terre, cette grande étendue de terre à un individu. Pendant que quand tu vérifies les colonies, ce sont des états de grande puissance. Mais à lui, on lui a donné tout ça, individu. C'était un patrimoine privé d'un individu. Et qu'est-ce qu'il est venu dire? Il a dit un mot très important que la population d'aujourd'hui essaie d'oublier. Il faut effacer leur mémoire collective. Comment? Il faut leur démontrer qu'ils connaissent Dieu. Ces gens connaissent Dieu, mais il faut leur démontrer que leur Dieu ne vaut pas. C'est le Dieu du blanc qui est meilleur. C'est comme ça qu'on nous a imposé le christianisme et nous avions chassé Yahweh hier. Mais les prophéties bibliques, elles, disent que le cinquième président, s'il faut accepter ce que disent nos amis kimbanguistes, quand il viendra, il pourra restaurer. Mais il va restaurer comment? Un seul mot dans la Bible. Est-ce que, maître Zorobabé, s'il vous plaît, vous ne voyez pas que l'homme a sa part, Dieu aussi a sa part? Il ne faut pas trop mélanger les choses, non? Maman, vous voyez... Dieu a sa part, l'homme aussi a sa part. Je vais vous aider. Lorsque l'âme qui est dans toi ou l'esprit qui est dans toi quitte le corps, on t'appelle qui? Cadavre. Cadavre. Le Congolais ou l'Africain, de manière générale, ce sont des morts vivants. Nous n'avons plus l'esprit en nous. Je vous donne un cas très simple. Comment vous pouvez concevoir que Mobutu laisse un député à $500, l'équivalent. Mouzé, $500. Joseph, premier mandat, deuxième mandat, $500. Troisième mandat, il veut changer la constitution, il corrompt les députés avec $21,000. Le président actuel, pour moi, ne comprenant pas que c'était une corruption, projette de faire encore mieux que $21,000 pendant que le peuple croupit dans la misère. Vous comprenez ça? C'est-à-dire qu'on est sans âme. Nous vivons comme de morts. Donc l'apport de Dieu est réel. Nous ne pouvons pas mettre la porte spirituelle. Ce qui moto osana osana mulimbo na katinaote, tu es comme un fou. Voyez le fou qui dorment dans la rue. Il respire, il est comme toi. La Bible parle de l'homme animal. Donc moi je pense très sincèrement que le problème de l'oppression dans la Bible, Ésaïe chapitre 19,
verset 20, que vous serez opprimés et que vous sortirez de l'oppression quand vous connaîtrez mon nom. Et celui qui doit publier le nom de Yahweh partout, c'est le chef de l'État. Moi, je crois que c'est la mission capitale qu'a le chef de l'État aujourd'hui. Qu'il a. Vous savez, moi, j'ai une petite expérience. D'abord, du point de vue de la Bible, toutes les armées qui combattaient Israël, puissantes qu'elles étaient, mais lorsqu'ils se mettaient à crier Yahweh, ces armées étaient en débandade. Ça, c'est le 1. Je prends mon propre cas. Sous Félix, j'étais un avocat. J'ai été arrêté arbitrairement comme ça par un PJ. J'étais à Makala. J'ai passé 11 jours. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Kangambanga. J'ai laissé en passant le procureur général Kumbu à Gombe ici. Et il me dit d'ailleurs, yo, on doit te radier. Je sors de la prison, on m'éradie. Ça n'existe nulle part au monde. Vous comprenez ça? Ça veut dire qu'à un certain moment, on est des hommes animaux, s'il faut les appeler. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Je suis resté très calmement chez moi. Je n'ai pas réclamé, je n'ai pas fait de recours contre la décision unique de la radiation. N'a fini pendant 6 mois. 6 mois après, ce sont des blancs, des expatriés qui m'appellent pour dire « Maître, non, c'est une histoire impossible. Yaka, soit même notre consultant. » Je dis non. Mais tu ne fais pas des recours, je ne fais pas les recours. Je préfère encore être défenseur judiciaire que me rabaisser, soit pour la franc-maçonnerie, soit pour la bloc bouge. Je ne le ferai jamais. Et celui qui m'a soutenu jusqu'à aujourd'hui, c'est Yahweh. Donc Yahweh est vivant et il agit. Si le président, je te donne un autre cas. Aujourd'hui, quand tu prends l'allure de la majorité présidentielle, n'est-ce pas? Ou les gens qui sont à la une aujourd'hui, ce sont les mêmes têtes, les mêmes personnes. Et le président devait s'en débarrasser. Vous avez Kamere, vous avez Bahati, vous avez Mbosso, vous avez... Ces gens ont commencé à gérer avec Mobutu. Basili Saté, Babongi Saté. Apparemment, vous n'avez pas répondu à ma question comme je l'attendais sur quelle recette? La recette, vous êtes, madame. Plus martelé sur la Bible ou encore sur la spiritualité. La recette la plus importante pour la guerre qui est à l'Est. Oui. Moi, je pense que le président de la République, dans des situations exceptionnelles, il doit prendre aussi des décisions exceptionnelles. Et dans ces cas-là, moi j'ai dit, il doit nommer un militaire, pas les civils qui sont indisciplinés, qui ne voient que leur enrichissement personnel. Comme Mingeza Kulekawa, ils allaient bakopia batubali pour s'enrichir maintenant tout de suite. Alors que le premier ministre Mokwazali militaire, base de décision, on peut prendre une décision exceptionnelle. D'ailleurs, le gouvernement avait déjà l'autorisation du Parlement, réuni en Congrès, qu'il pouvait prendre des décisions engageant la République sans recourir au Parlement. Donc, le président a cette arme dans sa main. Qu'il déclare la guerre. Merci. Qu'il déclare la guerre. Merci beaucoup. Je passe la parole à Dodi Mumbindo. Dodi, la guerre à l'Est continue. On a eu des élections. Il y a eu les députés, quand même les élections sont passées telles qu'elles sont passées. J'aimerais un peu savoir, quelle analyse faites-vous par rapport à cette situation? Ok. Excusez, madame la journaliste, premièrement, je présente mes sincères excuses pour les records du CRP. Si vous allez constater, je suis habillé en noir. Cela signifie tout justement que je suis en deuil. Pourquoi? Parce qu'il y a une partie de moi à l'Est qui ne va pas bien, une partie de moi à l'Est qui ne fait que mourir tous les jours. Or, nous sommes en train d'assister entre temps à des scénarios qui font en sorte que nous puissions vraiment nous énerver. Nos compatriotes sont en train de mourir, de croupir, mais les membres du gouvernement font de leur mieux pour avoir le cumul de postes. Heureusement que le cours des tribunaux ont répondu négativement quant à cette demande. Nous sommes en train de croupir jour et nuit
qu'est-ce qui se passe aux gestionnaires de la chose publique de l'État? Il y a M. Mbosso et M. Bahati qui sont en train de s'entretuer pour le positionnement politique. Nos Congolais sont en train de coupir tous les jours. Qu'est-ce qui se passe? Il y a le PCR de Jean-Pierre Bemba et le PCR de Vital Kamerhe et d'une épaisse de M. Kabuya qui sont en guerre. C'est-à-dire que la population congolaise n'est pas au cœur des préoccupations de nos autorités politiques. Madame la journaliste. Pas la population, l'élite. Peut-être l'élite ou les bandits politiques. Voilà. Pas la population, voilà. La population n'a rien à voir avec ces gens. Nous sommes très révulsés quant à ces comportements qui du jour au jour, font en sorte que nous puissions, en tout cas, nous lever pour dire non à ces gens-là. Et aussi, ça réveille en nous un esprit très, très patriotique et un esprit de réveil assez avéré. Alors, madame la journaliste, vous allez constater avec moi que la situation de l'Est, en République démocratique du Congo, n'est fait que s'aggraver du jour au jour. Madame la journaliste, posez-vous la question, à quoi sert l'état de siège depuis tous ces temps? Et cet état de siège ne fait qu'être prorogé de temps en temps, tandis que sur le terrain, nous n'avons pas les résultats propices. Madame la journaliste, nous allons nous poser la question de savoir, qu'en est-il du ministère de la Défense de la République démocratique du Congo? Le ministère de la Défense de la République démocratique du Congo, en réalité, ne fout rien, permettez-moi de le dire, ne fout rien du tout, parce que nous allons juger les résultats de chaque ministère en fonction de ce qui s'est fait sur le terrain. Aujourd'hui, nous allons parler de l'agression qui se passe dans l'Est de la République démocratique du Congo et on va se poser la question, où sont les FARDC? Les FARDC aujourd'hui, qui sont payés au maximum à 100 dollars, mais un député national d'ici le mois d'avril sera payé à 33 000 dollars. Pour quelle raison? D'ici le mois d'avril, madame la journaliste, un militaire congolais qui laisse sa famille à la maison, il n'a pas d'assurance sociale. Attendez, monsieur, soit vous êtes informé, soit vous ne l'êtes pas. Madame la journaliste, au moment où il y aura une autre personne qui aura le verre, je vais vous envoyer la décision. Soit vous avez l'information, soit vous n'en avez pas. D'ici le mois d'avril, je précise que les députés nationaux de la République démocratique du Congo quitteront de 21 000 dollars à 33 000 dollars. Tandis qu'un militaire... Les nouveaux riches. Tandis qu'un militaire qui laisse sa famille, qui va en guerre, c'est-à-dire qu'en réalité, Bami Ben Raleja Bato Bakoufa, parce que ça peut venir à tout moment, il laisse sa famille avec combien à la maison? Et c'est dans un pays, c'est un militaire comme ça, qui est moins motivé, qui pourra faire un bon travail. Et ce sont les mêmes militaires qui font des vidéos à visage caché pour dire qu'une fois qu'ils sont à l'attaque, ils reçoivent des appels de Kinshasa pour leur demander de faire repli. Mais comment est-ce que la République va évoluer? Madame la journaliste, entre-temps, il y a des ceux-là qui s'enrichissent, il y a des ceux-là qui sont en train de se battre pour la République. Au moment où ils sont à l'attaque pour frapper fort, c'est Kinshasa qui appelle. Mais qui est Kinshasa? Madame la journaliste, ce sont les Congolais qui sont en train de mourir. Vous avez vu les vidéos, vous avez vu les photos. Et hier, nous avons vu monsieur le ministre de la Défense, le tout-puissant ministre de la Défense, Jean-Pierre Bemba Gombo, dire que nous ne puissions pas nous fier à ce qui se passe dans les réseaux sociaux. Mais bon Dieu, vous avez vu les vidéos, comment est-ce que les Congolais sont en train de souffrir? Les Congolais qui sont en train d'être... on est en train de leur couper les têtes comme s'ils étaient des tabas, soit des moules au capé. Et c'est Souba de ce qui va nous dire que nous allons nous fier sur ça. Nous voyons la réalité. Nous voulons arrêter, nous n'avons pas de frères et sœurs à l'Est. N'est-ce pas que le président de la République avait dit qu'à la moindre escarmouche, il va réunir les deux chambres en congrès pour déclarer la guerre? Mais aujourd'hui, il y a un autre discours qui change. Les gens disent que non, en ce moment, le Sénat n'a pas encore été installé, le nouveau système. Mais posez-vous la question, quand le président de la République le disait, le 19 décembre 2023, il ne savait pas que le Sénat n'allait pas être investi au même instant? Sans sérieux, quand nous sommes en train de faire nos discours politiques, moi je dirais au chef de l'État, monsieur le chef de l'État, vous avez vraiment, nous avons senti en vous cet amour de vouloir changer les choses. Mais monsieur le président de la République, essayez d'être moins bavard. Faites du boulot et nous allons applaudir. Nous, le peuple congolais, nous ne sommes plus cette population qui ne fait que les élites, d'ailleurs, telles que je venais d'être regardé par mon aîné. Nous ne sommes plus de cette religion qui applaudissent les discours. Nous voulons plus les résultats probants pour le peuple congolais. Monsieur le président de la République, une autre demande, mettez chaque homme à sa place. Vous avez des très mauvais collaborateurs, des très mauvais dirigeants. Alors, madame la journaliste, veuillez chuter. Je chute.
Concernant la situation de l'Est de la République démocratique du Congo, madame la journaliste, moi je suis contre tout cela qui parle des États-Unis, qui parle de la France et qui parle du Rwanda. La République de Père Michel doit finir. On doit déclarer la guerre, on doit se battre. Que fait le ministère de la Défense? Que font tous ces hauts gradés de l'armée de la République démocratique du Congo? Allons en guerre, finissons avec ces histoires, Rwanda killing, génocide, RDC, tout ça là. Allons nous battre tous les animaux et tout ce qu'on va parler là. Madame la journaliste, j'ai dit. Merci beaucoup. Je vais passer la parole à Ernest. Ernest, c'est que vous êtes de l'opposition. La guerre à l'Est, c'est une affaire qui ne concerne ni la majorité, ni l'opposition. Ça concerne tous les Congolais. Votre analyse. Cette situation continue au jour le jour. Bientôt, si on n'y prend pas garde, Goma sera entre le mai de M23. Merci, madame. Je présente mes sincères excuses pour le petit retard. Et je profite de l'occasion aussi pour saluer mes co-débatteurs. Merci. J'ose croire que nos amis de l'Union sacrée auront le courage de dire à la population, c'est ça, conserver les acquis. Nous conservons les acquis, nous continuons avec les erreurs du passé, et vous voulez qu'on s'entende à quel résultat. Madame, la recette, je prendrai peut-être le dernier propos de celui qui m'a précédé. Les Congolais doivent cesser de continuer à pleurer, ça c'est vrai. Mais un peuple qui prend tout son temps à rester derrière la canne et à ne pas se soucier de la République ne peut que continuer à pleurer, à chercher les boucs émissaires ailleurs, et puis le pire serait à la porte. Il faut un éveil patriotique. Un éveil patriotique qui n'est pas animé d'une mauvaise foi où chaque leader cherche à tirer la couverture de son côté. C'est ce que nous vivons aujourd'hui avec la classe politique congolaise. Vous avez dit que ce n'est pas une histoire de l'opposition ou de la majorité. Je suis d'accord avec vous. Mais nous, à l'opposition, nous avons eu à proposer beaucoup de solutions. Avec les quinquennats passés. On n'a jamais été écouté. Et aujourd'hui, nous sommes là. Nous avons dit à nos frères de l'Union sacrée, n'allez pas chercher les AC. Nous avons vocation à rester à l'Afrique centrale. Ils n'avaient pas accepté. Ils sont allés à l'EAC. Ça n'a pas marché. Aujourd'hui, on cherche encore la SADC. J'ai suivi les communiqués de la SADC. Ils sont là pour aider les Congolais à avoir un dialogue avec les M23 et non pour combattre les M23. Donc, dans cette situation, nous devons comprendre que les problèmes congolais doivent trouver solution entre les Congolais. Comment? Les Congolais doivent s'organiser. Il faut qu'il y ait une dynamique interne. Quand je parle de la dynamique interne, je parle de l'éveil de conscience. Je parle... il faut une révolution. Une vraie révolution. Alors cette révolution sera maintenant une révolution de la rue, parce que la révolution dans les urnes a échoué avec les hold-up électoraux organisés par Kadima et son frère Tshisekedi. Les braquages électoraux que nous avons vécu au mois de décembre. Ça a échoué. Ça n'a pas aidé la République à chasser tous ces médiocres qui géraient tantôt pour remplacer par de nouvelles figures, des gens qui pensent République au lieu de penser leur ventre. On a raté une chance de... Qu'est-ce qu'on dit de renouveler la classe politique, et ce sont les mêmes politiciens qui arrivent. Quand on cite les noms là, ce sont les mêmes. Les Mosso, les Bahati, et les Kamere, ce sont les mêmes qui sont revenus. Et qui les a aidés à revenir pour éviter une sanction populaire? C'est l'Union sacrée qui a organisé le blocage électoral. Alors, il reste à la population de faire une révolution, de changer le régime, et le régime qui viendra après cette révolution pourra proposer des réformes institutionnelles pour sauver la République. Au cas contraire, nous allons droit au mur avec ces régimes. N'attendez rien de bon. N'attendez rien alors avec nos amis. Ils seront là seulement pour se battre, chercher à se positionner, ainsi de suite. Et le problème va continuer comme ça. Et d'ailleurs, nous risquons la balkanisation. Parce que les Kivusiens aujourd'hui se disent peut-être un Kivu indépendant pourra sécuriser les Kivusiens au lieu d'attendre...
Kinshasa pour traiter la question de l'Est. On est à 2000 km, on pense que la guerre c'est pour les amis de l'Est, c'est pas pour nous. D'ailleurs, vous suivez les Congolais dire que nous sommes des cœurs avec les habitants de Goma. Je ne comprends pas si ça veut dire quoi. Toi qui souffres, toi-même tu souffres là, tu peux être encore des cœurs avec ton propre corps. Donc ce sont des expressions qui dérangent. Alors, le vrai problème, il n'y a aucune bonne recette de Kinshasa parce que vous ne voyez pas Kinshasa. Quand je parle de Kinshasa, les pouvoirs en place, gérer la question de l'Est pour trouver une solution définitive. En trois mois, je ne vois pas cela. Je ne vois pas cela. Voilà. Et voilà, je passe la parole à Teddy Kachama. Veuillez rebondir. Non, mais si vous me permettez, ils sont de quelle partie de l'opposition? S'il vous plaît. Parce que vous ne nous avez pas. Moi, je suis de l'IDPS. C'est moi qui pose la question. Veuillez rebondir, s'il vous plaît. Vous n'avez rien à voir avec leur parti. Non, parce qu'il fallait ce vraiment... Ce qui nous unit ici, c'est le débat, c'est le sujet. Non, le débat ne nous unit même pas. Le débat, parce que l'autre est venu avec des poèmes. De toutes les façons, la politique... C'est ce que je suis en train de dire. Ne nous unit pas. Non. L'autre est venu. Vous posez des questions. Votre émission est très bien suivie dans la population. Quand vous avez mis une thématique à suivre, vous nous avez envoyé tous. Il fallait que nos frères préparent, que de faire des poèmes. Oh non, vous avez vu les gens. Quelle est la politique qui interdit, quelle est la loi qui interdit aux gens de chercher à se positionner dans la politique? Quand mon frère, il parle de gens toujours les mêmes. Fayoulou aussi était à la conférence nationale souveraine. Qui est nouveau en est là-bas? Il vous dit que non, les urnes n'ont pas pu faire la révolution. Mais quel riz vous êtes en train d'appeler? On pose une question terrible. Lui, ils sont venus en retard. Moi, j'avais expliqué le problème des moindres escarmouches. On avait parlé, je peux le répéter pour eux. Le pays est en guerre, ça fait 30 ans. Cessez de profiter. C'est vous qui attendez d'ailleurs plus Kagame que nous. Lors du premier quinquennat. Vous avez vu la sanction populaire que le peuple vous a infligée. Je ne sais pas s'il est de chez Matata, comme on est en train de... Parce que nous allons chercher pour savoir, comme ils cachent leur parti politique, nous allons chercher à savoir pour connaître quelle est vraiment leur motivation. Mon frère. C'est un Congolais, c'est un analyste, il a le droit de réfléchir. Est-ce que vous voulez savoir qu'il puisse avoir le même divertissement? La pensée unique. Ce n'est pas la pensée unique. Parce que ce n'est pas la dictature. Là, la pensée unique est révolue. Bon, j'ai dit ceci. Mon frère, notre pays, aimons notre pays. Quelqu'un qui vient qui vous dise que non, ils sont là en train de suivre. Peut-être qu'il était candidat. Il a échoué, il avait postulé pourquoi. Il savait que. Moi, mon souci est celui-ci. On peut mettre même pour un député, même 50 000 $ par mois. Mais qu'on ajoute aussi aux militaires et aux fonctionnaires. Parce qu'en aucun pays au monde, que les gens ne viennent pas tromper les gens, en aucun pays au monde, un ministre, même aux États-Unis, un ministre a le même salaire qu'un militaire, qu'un marine. Loukouta, Louvoul. Mais pas l'extrémité. Non, je dis bien. Quand vous dites, non, mais je dis ici bien. Je dis bien. Moi, mon souci est que les députés, comme c'est un titre aussi honorifique, on ne peut pas les priver. Vous trouvez, c'est un titre. Un député, c'est un titre honorifique aussi. Oui, c'est un honorable. Honorable, c'est quoi en français? Oh non, mon frère. Vous n'avez pas postulé parce qu'il y avait un monsieur qui avait brisé vos rêves. Toi, on était avec toi un jour, tu t'es préparé à être candidat. Toi. Oui, je viens de me retrouver. Parce que vous avez eu un leader que s'il était leader PES, on allait le chasser, même le tabasser. Parce qu'il vous a refusé, il vous a brisé, il vous a refusé tout. Mais comment lui il est parti? Ça n'a jamais été une décision. Non, 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 comment il est parti? Mais je vous dis. C'est bon. Nani, papa, maître Zoro, je connais tout ce monde ici que vous voyez en train de se balader avec leur discours. Le problème est que dans la vie, on arrange la vie des autres, mais il y aura les inégalités sociales partout au monde. Même chez Dieu, il y en a toujours. Oui. Maintenant, le problème est que. À 21 000 $. Vous défendez, vous. Moi, je n'ai jamais vu
un document où on a écrit 21 000 pour un député. Oui, je n'ai jamais vu, même des Fayoum. Faites semblant ou quoi? Faites semblant ou quoi? Mon frère, ayez un peu de respect. Non, s'il vous plaît. Non, non, c'est toi qui passes tout ton temps. Non, parce que mais montrez-moi, montrez-moi. Mais pourquoi? Toi, tu ne sais pas. J'ai dit ceci. J'ai dit ceci. Moi, j'ai dit ceci. Sortez-moi un document, même de Fayoul. Il était de Pato. Non, non. Moi, j'ai dit ceci. Moi, j'aime. Mon frère, si tu me. Si tu déranges, moi aussi, je vais te déranger. Moi, je vous dis, sortez-moi un document où on a mentionné bien 21 000. C'est-à-dire, n'importe quoi, c'est chez toi. Merci. Parce que moi, je dois être correct avec moi-même. Nous, notre problème est qu'on arrange la vie sociale de tout le monde, d'un enseignant, comme on est en train de le faire. Auparavant, un enseignant, même au village, avec la gratuité. Il y a eu augmentation des. Les militaires reçoivent des salaires modiques. Voilà pourquoi. Qui a dit modique? Qui a dit modique? La guerre continue à l'Est. Lorsqu'un militaire est à l'Est là-bas, sa femme et ses enfants sont dégarpés de la maison. Est-ce que leur morale sera tranquille? Est-ce que vous avez. Vous êtes journaliste, vous devez. Donner une information. Mais je vous dis ce qui est vrai, je vous dis. Qui est vrai où les militaires sont logés dans des camps? Est-ce que vous savez qu'il y a, certains militaires sont chassés de la ville? Moi, j'ai dit il y a des camps militaires. Comme les. Il y a des camps militaires. Pas là dans la cité, là, non, non, mais moi, j'ai dit bien un vrai militaire est dans un camp militaire. Ils sont logés là-bas. Vous voulez me dire quoi? Merci beaucoup. Madame, vous devez tenir compte de. Je passe la parole à Maître Zorobabel. Veuillez répondre. Madame, je reviens un peu sur ce que mon frère disait tout à l'heure. C'est une question, conserver les acquis. Est-ce que ce qui se passe à Goma, c'est ça, conserver les acquis? Bien sûr. Mais je voudrais qu'on soit un peu neutre à un certain moment. Vous savez, si nous sommes trop divisés même sur des personnalités, des cultes de personnalité, on n'avancera pas. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a effectivement travaillé convenablement, mais n'oubliez pas. Consolider les acquis, il faut tousser. Mais vous savez, il ne faut pas oublier que le président de la République n'est pas le gouvernement. Quand vous prenez le fonctionnement de notre, la gestion de notre État, nous, vous avez un gouvernement et vous avez un président qui se mêle de la gestion du gouvernement, mais qui n'est pas décidaire là-dedans. C'est comme si on lui a donné seulement le moyen de contrôler et d'être au courant de ce qui se passe. Mais en réalité, ce sont les ministres qui prennent les décisions. Je reviens encore sur ce que mon jeune frère disait tout à l'heure. Qu'est-ce que Bemba finalement fait? On nous a menti. Dans 6 mois, Sokinga n'a commis ministre, il y a défense, n'a concilié. C'est sa responsabilité. C'est sa responsabilité. Il ne faut pas. On nous a vendu du vent, c'est comme si. Par l'MLC. Ah oui, j'entends même pas, on doit donner l'image de Bemba. C'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est ça. Un grand guerrier, je sais pas. C'est ça, c'est que je. Pourquoi Bemba n'a jamais fait l'armée? C'est ça, c'est. Non, non, c'est un seigneur de guerre. Et moi, je regrette pourquoi nous devons tous être des complices des seigneurs de guerre. C'est ce même exemple qui est en train d'entraîner les autres jeunes pour devenir des seigneurs de guerre, pour avoir une place sous le soleil. Et donc, conserver les acquis, je voudrais que mon frère sache que ce n'est pas le président qui doit aujourd'hui, motu proprio, descendre à Goma, faire ceci. Non. Non. Les gouvernements, jusqu'à ce matin, et c'est Bimi, il n'y a pas de gouvernement. Le président de la République n'est pas, je ne sais pas comment dire. Au moins, s'il était Dieu, je peux comprendre. Il est tenu par le mécanisme constitutionnel. Tout ça n'est l'air à Mobutu Té où il était le tout à la fois.
Il pouvait décider tout à l'heure, telle division est Kéboué. Mais ce n'est pas aujourd'hui. Ça, c'est un fait. Donc, conserver les acquis, mon frère doit savoir qu'il faut aller méticuleusement dans cette affaire. Nous attendons le gouvernement. Ce n'est pas le président Tshisekedi qui a voulu que, pendant qu'il dit moindre escarmouche, il a aussi demandé au M23 de bombarder pour devenir incapable d'agir. Merci. Ça, c'est un élément. Deuxième chose. Mais chuter, maître. Oui, je suis en train de chuter. Quand mon frère parle d'une union sacrée qui a organisé les braquages électoraux, par moment, nous devons aussi avoir le respect dans l'institution en Abyssinie. Ce n'est pas l'Union sacrée qui a organisé les élections. Et d'ailleurs, moi, je vais te dire, moi, je suis président d'un parti politique. D'abord du centre, et j'ai accepté de suivre Félix, personne physique. Pas l'UDPS, pas quoi que ce soit, personne physique. Autour de cette Union sacrée. Mais l'air de l'élection, qu'est-ce que l'Union sacrée a fait? Il n'y avait rien. Ce sont les regroupements qui sont allés aux élections, pas la plateforme. Et Bitumbo Zubimalelo, il n'y a que le président Kadima qui sait. Nous l'avons là. Moi, tous mes candidats, Balongwa qui n'a le bon la liste. Même ceux qui avaient réussi, Balobite, Baoba gagné, Nandimi, moi. Nandimi. Donc, on ne doit pas cracher. Par sentiment, parce que moi je n'aime pas la tête de Tshisekedi, je viens à la télé, il faut que je fasse un cacaillé. Les Kamboya, insécurité na Est, c'est l'affaire de tout le monde. Merci. Lui qui parle qui est de l'opposition, est-ce qu'il peut me donner un seul cas, comme l'a montré mon frère, où il y a un bango parti, où il y a une marche pour les Kamboya Est? Merci maître. C'est moi qui vous remercie. Dodi, veuillez répondre. Madame la journaliste, je vous remercie une fois de plus pour les verbes octroyés. Je vais aller rapidement vu que le temps est très très minutieux. Je vais commencer par mon ennemi élucidé. Madame la journaliste, vous savez, quand nous débattons Congo, nous parlons Congo, nous devons mettre de côté nos positions politiques. En tout cas, mon ennemi élucidé doit, mon ennemi de l'UDPS, doit chercher à se documenter de temps en temps. C'est un problème que je constate au niveau des communicateurs de l'UDPS. Quand il dit ici qu'il n'y a pas de documents disant que les députés nationaux sont payés à 21 000 $, il n'a pas de documents. Alors, posez-vous la question, comment est-ce que les députés nationaux de l'UDPS contribuent au niveau du parti politique? Parce que chaque député national qui est élu suivant une liste d'un parti politique retrocède 10% de son salaire. Alors, l'UDPS, c'est à combien les 10% en question? Si vous n'êtes pas documenté, cherchez à vous documenter. Je lis ici. Budget 2024 fait passer les émoluments des députés nationaux à 33 000 $. La loi des finances, il y a eu changement de salaire sur base de la loi des finances numéro 23/056 du 19 décembre 2023 pour l'exercice 2024. Donc, député Longon a 21, à commune à 33. Je vous donne l'élément. L'élément est là et la loi des finances. Non, attendez, s'il vous plaît, vous n'avez pas d'élément. Oh, s'il vous plaît. Cher aîné, s'il vous plaît. C'est ça le problème avec l'UDPS. Vous avez parlé, je me suis tué. Vous dérangez l'émission, cher aîné. C'est ça l'UDPS. Non, non. C'est ça l'UDPS. Voilà. C'est ça les désordres de l'UDPS. Je vous ai donné les faits. Et je vous ai donné les faits et la loi des finances avec tous les numéros juridiques, etc. Monsieur le communicateur de l'UDPS, vous dérangez l'émission. Ici, vous avez dit qu'un député national, c'est un titre honorifique. Faux! Un titre honorifique, c'est cette personne qui a un titre, mais qui ne bénéficie d'aucunement d'un avantage matériel ni financier. À l'exemple du pape. Mais de quoi vous parlez, un député? C'est ça l'UDPS. Non, il faut arrêter avec ça. Il faut arrêter. Soit vous êtes informé, soit vous ne l'êtes pas. Vous avez dit ici, les ministres, etc., sont en train de travailler pour des positionnements politiques, ce n'est pas interdit. D'accord, ce n'est pas interdit. Mais ces ministres-là, nous aimons les présidents de la République. Nous l'aimons énormément parce que, s'il vous plaît, cher René, c'est toujours l'UDPS qui dérange. Vous dérangez l'émission. Voilà. Nous aimons les présidents de la République parce que,
Nous avons constaté qu'il a le besoin, le souci d'échanger les choses. Mais ce sont ses collaborateurs qui cherchent des positionnements politiques qui nous font souffrir. Quand vous parlez positionnement politique, ces positionnements politiques ont quel résultat sur le peuple congolais? Social, zéro. Sécurité, zéro. Et tout ce qui va avec, ça ne marche pas. Au moins, je dois être honnête, au moins du côté scolarité suite à la gratuité de l'enseignement. Mais être de l'Union sacrée ne veut pas dire oui et amen à tout ce qui s'est fait. Quand ça ne marche pas, ça ne marche pas. Et pas là-bas. Mais pourquoi est-ce que vous voulez donner du poids à des gens qui ne font que faire souffrir les peuples congolais? Alors, le maître dit ici que le gouvernement non est limité, tout cela et tout ce qui va avec. Mais maître, tel que vous le savez, gouvernement est limité, mais est-ce que vous savez que nos ministres qui sont en place n'ont pas encore démissionné? Parce que c'est seulement hier, les cours d'appel, n'est le bail que Marambou a cumulé les postes exactifs. Voilà, le cumul des postes n'est pas avéré. Donc c'est seulement hier. C'est-à-dire qu'on vous savez ce qu'on appelle l'expédition des affaires courantes. Ça veut dire que vous ne pouvez pas prendre des décisions engageantes. Et les cas de l'Est, il faut un gouvernement qui a le plein pouvoir. Qui n'a pas le plein pouvoir. Non, c'est faux. C'est faux. Pourquoi? Parce que le vendredi passé, il y avait le conseil des ministres, il y avait tous ces gens-là. Il y avait tous ces gens. Alors, s'il s'avérait qu'il devrait gérer les affaires courantes, ça doit commencer déjà à partir de l'ère de mission. Vous comprenez, madame la journaliste? Donc, s'il vous plaît, avouez-vous 8 jours. 8 jours, monsieur l'UDPS, s'il vous plaît. Vous avez parlé, je n'ai pas dérangé l'émission. Alors, il dit ici que Monéné a dit que le président de la République, ce n'est pas lui qui dirige le gouvernement, ce n'est pas lui qui a le plein pouvoir, qui a le tout, c'est le premier ministre. Mais madame la journaliste, je vais vous poser une question. Je sais que c'est à vous de poser des questions. Qui préside le conseil des ministres? N'est-ce pas le président de la République? C'est lui qui donne l'impulsion au gouvernement. Merci. Il donne l'impulsion au premier ministre et les ministres, oh s'il vous plaît. Le mot impulsion et le sens du mot impulsion, ça ne vous dit rien. Merci beaucoup. Ernest avait répondu, nous sommes arrivés à la fin de l'émission. Ernest a répondu ici parce que nous allons devoir conclure. Oui, merci madame. Le vrai problème aujourd'hui avec nos amis de l'Union Sacrée, quand je parle de l'Union Sacrée, cher maître, vous voyez toutes les composantes, je ne sais pas les citer l'une après l'autre, moi je parle de l'Union Sacrée. Je sais qu'aux élections, il n'y a pas une plateforme électorale de l'Union Sacrée, c'était MLC, FDC, Alliés, etc. Quand je parle de l'Union Sacrée, donc dans l'ensemble, parce que la majorité de ceux qui possédaient le dispositif électoral de vol, c'était les amis de l'Union Sacrée. Ce n'était pas une autre famille politique. Moi, je parle d'Union Sacrée qui a organisé les blocages électoraux. Je vais continuer dans la même lancée que mon co-débatteur. Je vis maître laver Tshisekedi de tous les mots que le pays connaît aujourd'hui. Mais il y a cinq ans, vous, David Epes, vous taxiez tous les mots, c'était sur la tête de Kabila. Il y a plus de 20 ans, c'était sur la tête de Mobutu et ainsi de suite. À votre tour maintenant, tu sais qu'il ne gère rien, il ne fait rien, il n'est pas informé, il ne connaît même pas son salaire. Donc je comprends que la communication que tu sais qu'il nous amène devant les journalistes, c'est vraiment préparé justement au sein de l'EPS. Parce que souvent, ce sont des communications ratées. Et c'est ce que je constate ici aussi. Il préside le conseil des ministres, comme disait l'ami. Je le vis, je ne sais pas, c'était hier, présider le conseil de défense, conseil supérieur de la défense. Là, c'est son domaine. Oui, là, il n'est pas responsable. Là, c'est son domaine. Mais c'est ça. Alors, est-ce que nous allons attendre jusqu'à ce que le gouvernement soit mis en place, qu'il y ait les deux chambres installées pour répondre à la question de l'Est? Vous qui aimez le pays plus que nous tous, nous allons attendre que tout cela soit mis en place, installé, puis nous allons penser maintenant à nos frères et sœurs de l'Est. Mais pour le moment, on laisse les M23 avancer, asphyxier Goma. Et nous, nous sommes là, je l'ai même commencé déjà à assister à des fêtes, à des marées. Donc je pense que les erreurs d'hier ne sont pas oubliées. Il continue dans ses habitudes. Et je vois dans les jours à venir prendre maintenant l'avion. Je ne sais pas si ce sera maintenant la... Il le prendra jusqu'à la fin de son mandat. Le continent de l'océan. Mmh. Et il le fera. Où il n'a pas beaucoup visité. Tant que votre haine va être au zénith, alors, nous le ferons. Nous avons parlé
Ça, c'est une fuite de responsabilité et vous nous vendez des idées. C'est-à-dire qu'il est venu répondre uniquement. Lui, il n'a même pas sa thématique à parler. Il n'a rien à dire. Vous avez nommé des rebelles ici. Bemba, Moussa, Niamouissi et ainsi de suite. J'ose croire que ça sera vouloir une chose et son contraire. Commencer à dire on ne négocie pas avec les M23. Entre-temps, on est incapable. Incapable avec cette montée en puissance des FARDC qui vous gêne. Reste sur le papier parce qu'il n'y a aucun mètre carré qui a été récupéré. Et avec des officiers, c'est pas moi qu'on va les qualifier. Merci. Qui portent des galons rouges pour rien à l'Est. Un parti vraiment. Qui accepte de dire à la télé que nous sommes là pour observer le cessez-le-feu. Là où les mamans Marie, si maman Marie sont les hauts cadres. Même si elles sont en France, nous avons reçu les ordres de Kinshasa d'observer. Merci. Le cessez-le-feu. Ça, c'est un militaire au fond qui parle. Merci beaucoup. En tout cas, moi, je pense que seule une révolution populaire pourra se passer. Mais vous allez la faire comment? Nous sommes arrivés à la fin. Avec le peuple. Nous sommes arrivés à la fin de l'émission. Négligez le peuple, vous aurez maître Jean Babel conclué. Avec les 4%. Les 4%. Vous avez 30 secondes. Négligez le peuple, vous allez 30 secondes. Ça prend un jour à ce peuple-là. Madame, négligez le peuple. 30 secondes pour conclure. Je suis convaincu, en tant que ouin serviteur de Yahweh, que l'histoire de banalisation de ce qui nous a amené à l'oppression, si nous ne tuerons pas attention, nous continuerons. Le problème aujourd'hui, c'est l'homme congolais qui fait confiance. Tshisekedi est venu, il est devenu président de la République, mais ce n'est pas lui qui a abîmé l'homme congolais. C'est pas lui. Tout ce qui se passe aujourd'hui. Veuillez conclure, maître. Tout ce qui se passe aujourd'hui, je pense que nous devons prendre la mesure de tout ce que nous faisons et revenir à la crainte de Yahweh. Mmh. C'est tout ce que je peux dire. Merci. Teddy Kachama, concluez. Non, je suis. Attention. J'ai beaucoup aimé mon frère. Il a fait une démonstration dans les vides ici. Mon frère de l'Essidé, qui est venu avec le raisonnement de maman Marie Missemi pour venir nous dire le pays, notre régime est régime parlementaire. Mais maman Marie avait fait parler Fatih au Tchad là-bas. Au Tchad où? Maman Marie. Hein, maman Marie. Avait fait parler Fatih. Non, c'est ça l'air. Pour dépendre de maman Marie. Oui, c'est comme ça. Il est là. Moi, je voulais dire à mes frères. À mes frères de se tranquilliser. Quand il dit que... Non, pas vous. À vous, vous n'avez rien. Nous ne vous demandons rien. Vous de l'opposition. C'est à vous de voir, vous êtes quel Congolais. Moi, je parle aux vrais Congolais, aux patriotes. Parce que quand tu me... Non, écoutez. Quand tu me parles... Non, c'est toi qui... Quand tu parles d'une vidéo d'un militaire qui se cache, tu ne sais même pas faire l'identité. Non. Ah non, mon frère, quand tu parlais, je n'avais pas. Quel général? Celui qui est au front. Hein? Il y a un militaire qui s'est caché. Vous avez parlé d'un. Votre souci était, vous nous parlez que, oh non, quand on était là-bas, et quand vous êtes ici, vous allez faire des fêtes, nous avons vu cela. Mon frère, c'est notre pays. Au moment où nous parlons ici, merci. Il y a une armée qui se bat là-bas. Merci beaucoup. Ce n'est pas pour attendre votre. Merci. Il y a les militaires qui se battent. Pardon, maman. Non. Vous êtes dans le front patriotique avec la Kabylie. À votre époque, on avait pris Goma là. Une année. Mais chez nous, on n'arrive même pas à prendre. Concluez l'émission. 30 secondes. Nous récupérons. Merci beaucoup, madame la journaliste. Nos frères et sœurs qui sont à l'Est de la République démocratique du Congo, nous sommes de cœur avec vous. Nous vous portons dans nos prières, en tout cas, c'est le peu que nous ne pouvons faire. Alors, pour les dirigeants de la République démocratique du Congo, faites tout pour le bien des Congolais. Vos positionnements politiques, ça vous engage, d'accord, mais faites-le pour le bien des Congolais. Cher président de la République, les Congolais meurent. Et c'est vous qui êtes les garants du bon fonctionnement des institutions. C'est vous les pères de la nation. Faites quelque chose, nous avons dit. Et voilà. Ernest, conclue l'émission. Madame, ça fait mal, hein. Ça fait mal de trouver ce qui se passe à l'Est, là. Bon, apparemment, pour nos amis, c'est normal. Et
quand on dit la vérité, on dit des vérités ici par rapport à ce qui se passe, on n'est plus congolais. On n'est plus congolais. Non, non, non. Ça, c'est pas on n'a pas le temps de se justifier. On nous avons demandé à Kabila de partir pour trouver des solutions. Vous et moi, nous étions dans l'opposition pour que Kabila parte. Mais aujourd'hui, vous voulez... Oh Seigneur. Ernest, conclue l'émission. Est-ce que pour parler au nom de mon pays, je dois être candidat? Cessez avec ces discours séparatistes. Cessez de me distraire. Vous êtes en train de distraire les Congolais. Ce qui s'est passé à l'Est là, c'est plus que l'escarmouche. Ok? Alors. Merci à Enoch, merci à Laito, merci à James Nzengwa.